Bienvenue dans le Facebook Live du Musée d'Ixelles. On va découvrir ensemble le parcours de Musée comme chez soi, édition spéciale. Édition spéciale parce que pour cause de Covid, le public n'a pas pu faire le parcours cette année, ne peut pas. Et donc c'est moi qui vous emmène de maison en maison découvrir quelles hôtes et quelles œuvres se rencontrent pendant ce week-end exceptionnel. On est chez Cindy. Cindy, Théo. On accueille une œuvre de Amy Flos. Moi, je suis Cindy, la voisine du musée. Et oui, je suis voisine du musée. Et bon, moi, je suis dans la vie maraîchère et je suis aussi tricoteuse urbaine. Moi, j'ai choisi cette œuvre-là parce que justement, par rapport à mon métier, ben, ça me parlait bien. La ferme, voilà, et les petits animaux de la ferme, etc. Donc voilà. Ben, du coup, comme je fais le tricot urbain et la ferme en même temps, ben, j'ai lié les deux en faisant des petits légumes en crochet. Voilà, dans le thème du... Waouh! Du... Pardon. Dans le thème ben, du tableau d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle. Je suis d'origine autrichienne. Je vis à Bruxelles depuis 6 ans. Je travaille environnemental. Et aujourd'hui, j'ai lancé chez moi une œuvre du musée d'Ixelles. L'œuvre s'appelle Adam et Ève à quatre sandes. C'est du peintre belge Kat qui vivait pendant le siècle dernier. Et ce qui m'a guidée avec cette œuvre, c'est justement son titre, Adam et Ève à quatre sandes. On voit sur l'œuvre un homme nu à la plage, mais on ne dirait pas forcément que ce soit Adam et Ève. Parce qu'il y a certains éléments qu'on a l'habitude de voir chez Adam et Ève qui ne sont pas présents sur le tableau, donc un pommier par exemple, un serpent diabolique. Tout cela manque, mais d'après Titkat, c'est quand même Adam et Ève. Donc j'ai trouvé ça assez drôle qu'il ait pris cette liberté de déplacer la scène biblique à la plage de Katzand, étant une plage aux Pays-Bas, juste à côté de la frontière belge. Ça m'a intriguée, ça m'a fait poser des questions, comme par exemple, est-ce que pour Titkat, cette plage, c'est le paradis? Est-ce que pour lui, c'est le bonheur? Est-ce que c'est peut-être autobiographique? Il s'est peut-être peint lui-même avec sa femme qui était pour lui une grande source d'inspiration. C'était une muse pour lui. Et voilà, ça apporte beaucoup moins de réponses que ça ne suscite de questions. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans cette œuvre. Ça nous fait imaginer nos propres interprétations, ça ouvre une porte pour notre propre créativité. Bonjour.
Donc, bonjour, moi c'est Nicolas. Je suis habitant du quartier maintenant depuis presque 6 mois. Et finalement, je suis de passage parce que je repars dans moins de 6 mois. Et j'ai eu la chance de participer à l'expérience ici Patrimoine à Roulette avec le musée Nixel. Dans ce cadre, j'accueille une œuvre de Emil Verhaeren, une représentation pardon, de Emil Verhaeren. Donc voilà, c'est le bronze qu'on voit juste à côté de moi. Je l'ai choisi parce qu'il m'a beaucoup touché au niveau de l'énergie qui s'en dégage, au niveau de l'intention, en tout cas moi l'intention que j'en ai comprise, qui est l'intention plutôt contemplative, méditative, voilà, quelque chose d'assez mélancolique, assez réflexif. Mais ça m'a vraiment touché. Voilà, moi j'essaie de raconter quelque chose dans la rencontre en fait entre Emil Verhaeren et son créateur, ou dans le cas ici, sa créatrice qui est Jenny Lorrain. Une rencontre qui s'est faite de manière échange épistolaire, donc qui, voilà, Emil Verhaeren qui s'exprime en disant « Mais voilà, je suis sculpture, j'étais poète, maintenant je suis sculpture, ça me va pas, je suis pas content, et donc je te le dis. » Et donc voilà, j'écris le texte à la place de Emil Verhaeren, adressé à Jenny, pour le laisser s'exprimer par rapport à ça, et puis finalement essayer de trouver une voie de conciliation. Bonjour, je m'appelle Claire, j'habite le quartier ici depuis 20 ans et je suis très attentive à cette initiative depuis qu'elle a été lancée il y a 2-3 ans. J'aime beaucoup cette idée d'accueillir une œuvre et aussi de la partager. Donc notre tour était prévu au mois de juin, il a été décalé au mois de décembre et j'ai choisi Lismond. Pourquoi j'ai choisi Lismond? Je ne le connaissais pas du tout. J'aimais beaucoup, moi, cette espèce de... oui, de coup de poignet, d'encre jetée sur du papier et une certaine simplicité aussi, chorégraphiée comme ça. Alors, l'idée, c'était en principe de recevoir du monde, sauf que le monde, il est resté chez lui et j'ai demandé autour de moi de répondre à la question « Toi, comment tu lis ce monde ?» Et donc, c'était vraiment un espèce de jeu aussi d'écriture de mots et de vocabulaire comme ça. Quelques réponses qui sont plutôt positives aussi. Je vais les prendre parce que je ne les connais pas par cœur. Donc, c'était un peu plutôt chouette comme ça. En crickle-crackle, en point de suspension. Chinoiserie virevoltante, en braille. Dans les yeux des humains masqués. Je l'écris. La danse frénétique d'un pinceau, etc. Donc, des petites réactions assez chouettes aussi par rapport à cette demande. Hello, hello, salut, c'est bien. Pour cette édition, j'ai invité Baloji dans mon village. Je m'appelle Sylvia, j'étais mariée avec un percussionniste guinéen, donc le djembé, et j'ai eu la grande chance d'accueillir cette œuvre de Sami Baloji, qui est un artiste congolais d'origine, et qui fait tout un travail de recherche au départ de photos d'archives qu'il a notamment trouvé au musée de Tervuren. Et donc il fait tout un travail sur cet héritage colonial, comment ce qui s'est passé avant, comment on le vit maintenant, comment on se l'approprie maintenant, etc. On a aussi eu, avec Anne-Cécile, la grande chance de l'interviewer, de faire un zoom avec lui. Donc vous pouvez voir ça aussi sur le site de Musée comme chez soi. Bonjour, bienvenue, je vous laisse avec la pièce La Star du Jour. C'est une ardoise de Raoul Ubach. De l'ardoise, c'est un peu sa révélation
et son matériau fétiche, on va dire. Donc il a eu tout un parcours assez beau, fait de voyages, de retour à la nature, de questionnements. Il a été beaucoup avec les surréalistes, c'était très proche de Magritte, qui vient des Ardennes belges, donc un milieu assez, assez rigide. Ce qui est beau, en tout cas ce que j'aime dans l'histoire de ce monsieur, c'est que c'est quelqu'un qui a un parcours et qui a un chemin et qui a toujours interrogé un petit peu tout ce qui l'entourait sans estimer que voilà, s'il avait fini de travailler une certaine forme, il passait à une autre, et on sent que l'interrogation et son rapport au monde étaient en constante évolution, et qu'il jouait aussi en fait avant la guerre. Je pense que avec les surréalistes, il jouait beaucoup, il y avait beaucoup d'amusement, comme on doit s'amuser en créant d'ailleurs, qui est une très bonne manière de faire, et une émulation aussi avec le groupe des surréalistes. Et après, y a vraiment une cassure, ce qui est normal aussi, je pense, une fois qu'on traverse un trauma comme la guerre, on n'a plus le même rapport au monde, il n'y a plus le même rapport à soi, au corps. Enfin, les surréalistes questionnaient beaucoup le corps sous toutes ses formes, le rapport qu'on avait à son identité, l'identité sociale, etc. Et après la guerre, évidemment, c'est d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Et voilà, enfin, cette œuvre-là, il a continué par avec la peinture et l'ardoise uniquement. Et il s'est mis à l'ardoise en découvrant une ardoise, un couteau rouillé, et ça a été une révélation. Et ce que j'aime dans cette œuvre et que je découvre en vrai cette fois-ci, c'est qu'elle a été présentée horizontalement d'une certaine façon, et en fait en la mettant verticale, il y a une toute autre signification qui se met en place, qui est vraiment plus liée à la transcendance, tout simplement des choses. Et voilà. Moi, c'est le rapport que j'ai avec cette très belle œuvre qui en plus capte vraiment bien la lumière tout en absorbant dans les zones d'ombre, etc. C'est vraiment une belle œuvre, et c'est ce que j'ai voulu partager aujourd'hui. Ben, bonjour à tous, nous sommes dimanche, nous sommes le deuxième jour de Métier comme chez soi. non, je rigole, c'est pas Métier comme chez soi, c'est Musée comme chez soi. Vous êtes avec Yves de Patrimoine à Roulette. Nous sommes les co-organisateurs de cet événement avec le Musée d'Ixelles. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir découvrir avec vous, en live, notre première hôte de la journée. Elle s'appelle Daisy et elle nous a préparé quelque chose. J'espère qu'elle osera nous le montrer. Je sonne. Je m'appelle Thésie de Saint-Hubert et j'ai choisi l'œuvre de Louis van Lint, et le titre de l'œuvre, c'est Broussailles. J'étais très enthousiaste de participer à l'idée de l'œuvre chez l'habitant. J'ai choisi cette œuvre-ci parce que je suis très attirée par le noir et blanc, dans le fait que j'apprends de la calligraphie chinoise, japonaise, et je fais de la peinture chinoise. L'œuvre me parle parce que, voilà, c'est dans l'idée du... Elle m'intrigue, en fait. Et je suis ravie de la voir en vrai, parce que sur ordinateur, ça ne m'a pas donné cet effet-là quand je l'ai aperçu jusqu'à... C'est une très belle œuvre. Eh bien, nous sommes Delphine et Jérôme, et exceptionnellement aujourd'hui, on reçoit Birkan, le canette de bière de l'artiste Don Nice, qui a été peint en 1970, il y a 50 ans tout juste. On nous demande pourquoi on l'a choisi. Eh bien, parce qu'on l'aime bien. Et parce que c'est du pop art, et que c'est une période que j'aime tout particulièrement, parce que les couleurs sont vives, le dessin, celui-ci en plus est très réaliste, donc c'est vraiment très très
très très agréable à avoir chez soi. Bon, alors, ouais, dans la collection du musée d'Ixelles, hein, parmi la sélection qui nous a été proposée, ce tableau a un peu un statut d'électron libre. Il paraît qu'à chaque sélection, il y a comme ça quelque chose qui sort un peu du lot. Et voilà, ben, je pense que ça a aussi contribué à nous sauter aux yeux. Oui, si c'est ça, le vilain petit canard du musée. Ouais, on veut bien. Et alors, oui, ceci, ça, en fait, pendant que. Une fois qu'on a choisi cette œuvre-là, on s'est mis à se renseigner sur qui est ce peintre, qu'est-ce qu'il a déjà fait avant, et notamment sur Instagram. Et je suis tombé sur un peintre qui est également californien, mais qui lui est encore de ce monde, puisque Donnay s'est mort l'année dernière. Et je lui ai dit, je vais recevoir une canette de Donnay pendant une journée, est-ce que ça t'amuse de me faire un tableau avec ta patte, mais qui s'inspire clairement de ce tableau-là. Et donc, voilà, j'ai me fait une petite huile d'une canette de Budweiser qui sera le souvenir que j'aurai de cette longue et belle journée. Chaque fois que j'ai un truc zoom, je dois boire une bière. Voilà, donc moi je suis Pauline, je suis la maman. Je suis Vincent, le papa. Et puis il y a. Rachel et Fanny. Nos filles qui sont toutes les deux blondes, comme la petite fille Marguerite qui est sur le tableau de Jacob Smith. Et il n'y a pas que ça qui nous a attiré dans le tableau, évidemment, mais c'est un des éléments qui nous a attiré dans le tableau. Et l'autre, comme le dit souvent Fanny, c'est que. Je pensais que c'était sa grande sœur dans sa tenue d'escrime. Parce que Rachel fait de l'escrime et elle est blonde et elle est de trois quarts. On est de trois quarts quand on est de garde en escrime. Et c'est parti un peu de là. Et puis c'est comme ça qu'on a regardé un peu plus ce tableau-là. Et moi, je vais être beaucoup plus académique où moi c'est quand même les matières et la lumière et tout le mystère du trois quarts. Je trouve fascinant le trois quarts de cet enfant et peut-être encore plus le quart dans l'ombre. Je trouve qu'il y a je dis toujours une épaisseur, mais il y a aussi l'épaisseur du temps, le siècle qui nous séparait. Et voilà. Et son regard, on ne sait pas vers quoi elle regarde. Enfin, nous, on a eu l'impression, dès le début de la sélection, qu'elle ne quittait pas de l'œil. Mais en fait, c'est assez marrant parce que ce regard, on l'incarne vraiment. Mais en fait, il y a un siècle et 18 ans, je ne sais plus. C'est son père qui le regardait sans doute. Et ça a duré très longtemps parce qu'elle a dû poser longtemps. Chose absolument inimaginable aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend des photos tout le temps à tirer la rigueur, elle allait la poser des heures, et c'est peut-être le seul portrait, la seule phrase qui reste de cette petite fille. Sauf que son passage chez nous restera bien vivant aussi. Le fait de l'accueillir, on a fait beaucoup de recherches autour du tableau, on en est proche, à la fois dans son historicité, mais aussi dans son intimité, dans ce qu'elle nous raconte, dans ce qu'elle nous dit. Et on a envie encore d'en savoir plus, d'aller voir où il a peint ce tableau, d'aller voir la campagne où il vivait, d'aller voir le musée Jacob Smith. Et voilà, il ne nous quitte plus maintenant. Je dois vraiment vous laisser. À tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Véronica. Moi, c'est vrai. Et je suis peintre et on habite à Bruxelles depuis plusieurs années. On est italien. Et personnellement, j'ai découvert l'œuvre de Walter Zwemmen quand je suis arrivée en Belgique. Et donc, on est très heureuse d'accueillir ces magnifiques peintures
qui est sans titre, mais Paysage nocturne, entre parenthèses. Voilà, c'est un encre sur papier. En effet, il nous a dit, parce qu'on a réussi à contacter l'auteur grâce à sa galerie, et il nous a dit que, en effet, l'encre qu'il a utilisée est très intéressante parce qu'il n'a pas utilisé un encre très cher, très de haute qualité. Au contraire, il a utilisé l'encre qu'on utilise dans les vics, dans les plumes. Et donc, voilà, avec un encre de qualité très mais il a réussi à faire une œuvre qui, au contraire, j'en trouve très riche. Beaucoup de qualité et de richesse. L'autre curiosité, c'était. Et pour le. Non. C'était avec le titre, qu'il a dit aussi que. Pourquoi il s'appelle sans titre? Parce qu'il n'aime pas vraiment, si j'ai bien compris, il n'aime pas vraiment donner des titres aux œuvres, parce qu'il dit que c'est une chose différente entre les langages et les langages de la peinture. Mais il doit quand même nommer les œuvres. Et donc, il utilisait ses amis ou les autres personnes qui disaient « Ah, tu aimes bien que l'œuvre ?» Et l'ami disait « Ah, l'œuvre avec une valise. » Alors, le titre était « Valise de l'œuvre ». Et donc, ici, c'était « Paysage nocturne ». Et pour l'occasion, en fait, on avait chez nous, on avait des petites peintures accrochées. Et alors, on a décidé d'inviter des amis artistes pour créer un dialogue entre des jeunes artistes basés à Bruxelles et un artiste très affirmé et connu. Alors, ça, c'est une peinture à moi. Et voilà, c'est un petit paysage nocturne que j'ai fait il y a quelques années. Ça, c'est de Lise Valentini, une amie artiste qui a étudié avec moi à la Cambre. En peinture et qui est actuellement à la résidence de la Fondation Monens. Lui, c'est Stefano Moras et c'est un ami italien qui je connais depuis mes études à Venise et qui maintenant habite à Bruxelles aussi. Et donc on se connaît depuis longtemps et qui travaille en ce moment sur la peinture en tant que surface. En tant que matière, et donc il fait des petites compositions à partir de l'acrylique. Ici il y a Daniele Coppola, qui est un artiste italien qui est basé à Bruxelles et qui a étudié à l'Académie royale de Bruxelles. Sculpture. Il a créé cette petite ciel. La dernière peinture, c'est de Robin Wen, qui est aussi un artiste qui a fait la Cambre, section dessin, et qui a réalisé une série de peintures nocturnes avec des ambiances de fêtes, de soirées, etc. Mais non, il y a un code en fait. Bon. On va essayer. Oui, Aneta, est-ce que tu peux nous ouvrir, s'il te plaît? Moi, mon mari François et Baudouin, qui a 3 ans, nous avons choisi le tableau de Susan Koch. En fait, c'est notre petit garçon qui a flashé sur le tableau. Il aimait beaucoup, il est passionné des clochers. Il aimait bien voilà, la petite chapelle ici. Mais on a regardé un peu plus en détail le
tableau. Et c'est vrai qu'on aimait bien aussi. Il est très paisible, très tranquille. Moi, je trouve plutôt optimiste. Mon mari n'est pas trop d'accord. Donc voilà, on a un débat là-dessus. Peut-être on va terminer le débat ce soir. On a fait un peu de recherche alors, au niveau de tout ce qui est une histoire de tableau, de l'artiste. Et alors, c'est la place Bundel qui existe encore. Il y a des éléments encore qui existent encore aujourd'hui. Alors, la chapelle, l'arbre, le puits qui date de. Où est-ce qu'il est le puits ici? Voilà, le puits d'eau qui date du 15e siècle. Deux arbres existent encore. Par contre, ici, ça n'existe plus. Et malheureusement, la petite, toute belle maison, elle n'existe plus. Alors, ce qui nous a plu aussi dans ce tableau, c'est le petit bonhomme. En fait, avec ce petit bonhomme, on a créé toute une série de dessins. C'est mon mari qui a fait des dessins pour les enfants à colorier. Et puis, le petit bonhomme, je balade un peu dans le quartier. C'est comme ça, on a un peu essayé de faire des teasers. Voilà, de teasers, de présenter l'œuvre à grand public. Et aussi, on a créé du thé qui s'appelle Susan Cobb, inspiré par le tableau et puis par le froid qui est dehors. C'est un peu un thé pour nous chauffer, réchauffer. Et... le corps et l'âme. Exactement. Voilà. Bienvenue chez moi, je suis là et aujourd'hui j'ai l'énorme chance d'acquisition de Marcel Louis Bonnier qui date de 1923. Alors cette œuvre, elle m'a vite parce que je trouvais premièrement et honnêtement très bien chez moi. C'est une des questions que je me suis posée au départ pour, ça a été un des critères de sélection. Et voilà, je suis toujours amusée à Virginie tout à l'heure, je suis toujours amusée par le genre de monde qu'on a parfois vis-à-vis d'œuvres d'art en se disant « je ne verrai pas ça dans mon salon ». Et bien là, j'ai pu vraiment sérieusement me poser cette question. Et voilà, et en fait, ce que j'aime dans ce tableau, c'est sa couleur très très douce, sa structure, sa texture. Et en fait, quand on crée, ben, c'est pas si structuré, c'est pas si architecte, c'est un peu comme chez moi. Il y a un peu tordu, si on regarde bien. Si ce que j'aime bien, c'est le fait que les couleurs soient fraîches, mais qu'il y ait des petites nuances. Et du coup, ça donne vraiment une profondeur et une vibration à cette œuvre. Et voilà, une musicalité. C'est ce que j'aime aussi dans ce tableau. Elle a vraiment des passerelles entre les différentes disciplines artistiques. D'ailleurs, je l'ai mis en pendant de un tableau qui représente un costume de la danseuse Akarova. Alors, c'est Akarova et Marcel Louis Bonnier, quelques années. Et donc, il y a aussi une correspondance. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Marcel Louis Bonnier. C'est que je connais son œuvre, surtout en tant qu'ensemblier. Et c'est pour ça, aussi, chez moi, tout de suite, des évocations avec ce tableau, de l'architecture, de la musique, etc., etc. Et donc bon, je suis la coursière du musée comme chez soi à l'édition virtuelle. Donc l'idée, c'est pour quand même maintenir du lien en participant à l'édition. Il y a eu une vraie volonté de s'offrir des cadeaux les uns les autres. Et comme on est en distanciation sociale, c'est moi qui ai ce rôle-là. Donc je vais chez les gens, je leur ai affectionné par un autre participant. Eux me donnent celui qu'ils ont imaginé autour de leur œuvre pour quelqu'un d'autre. Et donc j'ai le rôle de liant. Donc là, je reviens de chez Épauline et j'ai leur apéro. Donc c'est vraiment un apéro entièrement basé sur... je ne sais pas trop comment je peux te le montrer. C'est un apéro basé sur leur œuvre. Donc je t'invite à juste venir jeter un coup d'œil préparé. Et donc voilà, pour quand on sait l'œuvre, ça fait sens. Et j'irai amener ça à quelqu'un qui devra deviner qui lui a offert cet apéro-là au Zoom de 18h.
Donc voilà, c'est...